Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons la France avec pour objectif la conquête totale de l'Afrique. J'ai renommé l'Afrique aux couleurs de la France, l'Afrique rose. On avait réussi la dernière fois à rendre l'Afrique toute rose, si on compte hein, bien sûr la délimitation avec le canal de Suez, voire même Sinaï. Mais elle n'est pas encore totalement à nous. Il reste encore un petit territoire du Portugal, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie et la Grande-Bretagne. Pour le reste, tout est à nous. Ah oui, la Grande-Bretagne aussi sur deux petits territoires, là, j'ai oublié. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer, il me semble, alors je sais plus ce que j'avais dit lors du dernier épisode, mais il me semble qu'on va faire Égypte, Portugal, Algérie, Maroc, Grande-Bretagne, un truc comme ça dans l'ordre des conquêtes. On a encore un peu plus de 10 ans en jeu. Ça va nous prendre un temps, mais ça devrait être bon. Ou alors ça jouera à pas grand chose vraiment. Allez, c'est parti. On va commencer par l'Égypte. On va voir juste au niveau des bâtiments, développement. On va tout mettre pareil. On peut faire infanterie mécanisée. C'est vrai qu'on était passé, sur cette technologie-là. Hop là. Ça c'est bon. Et pour le reste, ça fera l'affaire. On n'a pas de. Ça c'est normal. Et les radios sont chères, mais on en a. Je sais pas. Est-ce que je peux en refaire ou est-ce que ça vaut pas le coup? Ça dépendra du caoutchouc. Bah, le caoutchouc, on est bon. Allez, on va faire 40. Le fer sera un petit peu cher, les outils aussi, mais ça devrait aller. Alors, infrastructure 40. On rajoute 80, 54, c'est bon. Allez, c'est parti. On annexe l'Egypte, les Indes orientales. Les Indes orientales qui sont de sacrée puissance, mine de rien. Ils ont énormément de troupes. Hein. Ils ont pas mal de troupes. Allez, on annexe le sujet. On envoie bien évidemment les troupes où il faut. Hop, une ici, une là, et une autre ici. Voilà. Le pays de Galles nous a mis sous embargo, c'est pas étonnant, on doit avoir plus de 800 voire 900 d'infamie. Oh putain. Ouais. On a 900 d'infamie. Seulement andalou, ok. Ça c'est normal. Ah mais d'accord, c'est les Andalousies qui en profitent. C'est pas très grave ça. Ça ne me dérange pas plus que ça. On va envoyer nos troupes là-bas, Occitanie. Surtout qu'il n'y a pas grand monde. On va vraiment pas pouvoir faire grand chose. Hop là, voilà, ça devrait suffire. L'Égyptien, il a 68 troupes au total, c'est tout. Ah, 84, ah oui, mais non, on va avoir une partie ici qui ne peut pas bouger. Soulèvement capitaliste britannique, et allez. Ah oui, ils ont tous profité en gros que je suis en guerre, et ils se sont dit, allez, on va essayer de faire quelque chose. Je crois que j'ai pas le choix que de... Ouais. J'ai pas le choix que d'intervenir. C'est pas grave. Allez hop, toi tu vas là. Toi. Tu vas là. Dernier, là vous en avez 18, toi tu vas aller là-bas. Voilà pourquoi il faut les annexer. Hein. C'est pas plus compliqué. L'Empire ottoman soutient l'Egypte, m'en fous. On n'a pas de frontières communes. Et si l'Empire ottoman vient vraiment à trop m'embêter, et qu'en fait partie j'ai encore du temps.
Ok, Compagnie des Indes orientales aussi, apparemment. Non. Oui, ça a l'air. Hein. Je sais pas où, mais. Bon, c'est là. Scandinavie, les soutiens, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent les Scandinaves? Ils vont rien faire du tout, ils vont. Ils vont faire un peu de figuration. Bon, il y a encore 50 pop-up, hein, vous avez l'habitude. Voilà. On va attaquer les convois, voilà. Ici, on va escorter vers. Ce sera bon. Voilà. Ok. Allez, ça va être parti. Là, comme d'hab, j'en ai rien à foutre. Alors, strictement rien à foutre. Ça peut être à la Grande-Bretagne, ça peut être. M'en fous. Allez, on va commencer dans le premier temps contre l'Égypte. Très inquiet. On va voir s'ils veulent renoncer ou pas. Apparemment, ils veulent pas. C'est pas bien grave. Hein. Là, leur capitale va tomber rapidement. Ils ont personne ici. Là, ça fait bien la petite coupure là. Il n'y a pas le. Ouais. Voilà, on n'a pas le chemin. Ok. Ah. Alors, soulèvement andalou. Ok, ouais, bon, comme d'hab. A renoncer dans son corps diplomatique. Voilà, dans l'Andalousie, il s'est dit en fait, c'est peut-être pas une bonne idée. Il nous envoie un peu beaucoup de monde sur la tronche. Lui, je m'en fiche. Je vais éviter, ça me va. Santa Claus, pétrole, mais c'est pas pour moi, dommage. Neutralité, France-Égypte, ok. Ok, il veut la faire, bon, il veut la faire, c'est pas grave, ça va aller vite. Il y en a un pour défendre, bah ils sont où? Oh, ils ont dû se barrer là-bas, un truc comme ça. C'est pas grave, ils peuvent y aller. Regardez-moi ça. Elle est déjà tombée, leur capitale. Magnifique, je crois. Oui, elle est déjà tombée, effectivement. Hop là, le Caire est tombé. Turkménistan, c'est toujours pas chez moi. Là, un petit soulèvement, on a une supériorité numérique normalement. Hein. Au moins, supériorité technologique au numérique, je sais pas si on peut parler. Je sais pas si ça se dit, mais. Mais le principe y est. On conquis bien, voilà. Oui, ça va vite. Hein. Le Koutaï, tout ça, on s'en fiche. Et on s'en fiche. Là ça conquiert, là ça conquiert, là ça conquiert. Ouais, bon, on remonte le Nil tranquillement. De toute façon, pas besoin trop de prendre le désert, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Un royaume à soi de l'Est. Ah, c'est où ça? C'est là. On a du pétrole ici. Donc c'est pas beaucoup, c'est 4. Mais c'est toujours ça à prendre. En Turkménistan, c'est toujours pas pour moi. Puis ils viennent d'en découvrir, ils en redécouvrent déjà. Ils ont de la chance. Hein. On se prend une défaite ici, c'est pas le bazar. Alors on va profiter juste pour escorter également aussi. Ouais, je sais pas, on se prend une défaite, je sais pas trop pourquoi là. Ah, infériorité numérique, mais quand même, faut pas déconner. Infériorité numérique, ouais, encore. C'est pas grave. Là, je pense que pareil, hein, 13 contre 26, oui, pareil. Hop là. On va essayer de voir si on peut le réformer. Oui, on peut le réformer, ça sera moins mal. Ok, là on prend 10 jours, mais ils sont barrés où là pour prendre 10 jours pour aller ici? Je sais pas s'ils ont foutu encore. Hein. C'est pas très grave. Allez hop, l'Egypte, ça tournera rond. Une fois qu'ils auront fini justement en plus à la conquête de l'Egypte, ils iront en Angleterre. Alors, qu'est-ce qu'on intercepte ici? On intercepte des. Sûrement. Des convois. C'est tant mieux. On va leur couler un coup, ça leur fera du bien. Ici, ce sera une victoire. Là-bas, une défaite. Ok. Là, ça va vite. On va vraiment pour des micro-territoires. Ok, l'Egypte, c'est bon. L'Egypte, elle devrait tomber très rapidement. Donc, du coup. Nantes.
Ça va pas les déplacer. Ah, ça a dû les déplacer en Inde. À tous les coups, ça les a déplacés. Ouais, bingo. Ouais, super. Je les ai vus qui traînaient par là. Ok. Maurice. Léopold et Ferdinand. Loris, Léopold et Ferdinand, vous avez là. Donc, Ferdinand. Léopold. Maurice, t'es où? Et Maurice, voilà, vous êtes tous là, je veux pas savoir. C'est tout? J'en oublie un? Maurice? Ah, il s'est déplacé en dessous. Ouais. Non, mais pas Maurice. Léopold? Ah ouais? Ferdinand? Alors? Ah ouais, c'était Ferdinand, ok. Pérou, Bolivie. Non, non, je pense pas, justement, on a besoin de les conquérir, on a besoin que nos relations ne soient pas bonnes, donc... Donc si ça se dégrade pas assez vite, c'est chiant. Enfin, je pourrais expulser les diplomates, mais bon, c'est un peu radical, quand même. Soulèvement capitaliste britannique. Ok, on s'est fait prendre notre port de traité, c'est pas bien grave. 10 janvier, 10 janvier, 11 janvier, 14 janvier, c'est bon. Ouais, c'est bon, allez. Bon. Est-ce qu'on peut gagner une bataille est-ce qu'on peut. Pardon. Est-ce qu'on peut commencer une bataille en égalité ou pas en trop grosse infériorité numérique? Ce serait sympa. Le principe est cool en général, des fois c'est. Allez, allez. On va faire un débarquement. Voilà. Parce que là on commence à 19 contre 35. Oh, on a commencé à 14 contre 31. Bon, heureusement on a gagné parce qu'on pille une partie de leur convoi. Oui, bon bah voilà, après les Indes britanniques qui abandonnent. Non, ils abandonnent pas. Ils font ce qu'ils veulent. Ah oui, c'est vrai que c'est mon territoire maintenant. Je les appelle ça. Ah ouais, on accepte. Pas, bon, on s'en fiche. Bon, est-ce qu'on peut gagner ici? Ça devrait. Ici, ça devrait également. Le débarquement, il devrait être pour bientôt. Voilà, le nombre de... Ah, oh, c'est chiant. Le débarquement réussi. Alors, on va y envoyer des petites troupes là pour... grandir vite fait. On va augmenter le nombre de fronts, on a la possibilité, c'est notre avantage. 35, je l'ai pas envoyé là. Ouais. C'est ce que je pensais. Petit 64, hop là. Ah, évidemment ils ont envoyé la troupe avec le moins d'hommes pour aller se battre. Oui, c'est la logique. Hein. Envoyons le moins d'hommes possible. Pour se battre contre le plus d'hommes possible. Voilà. Bon. Encore un autre front sur lequel ils veulent pas aller. Qu'on a conquis une bonne partie de l'Écosse, ça c'est cool. Et là il n'y a plus qu'à défendre le front. Qu'à descendre, pardon, le front. Hop. Pays-Bas ne soutiennent plus, blablabla, on s'en fiche. Allez, un autre front.
Ok, ça nous a envoyé tout seul, ça c'est bien. C'est bien en fait, faudrait que je mette un autocliqueur ici. En fait, c'est ça qui est un autocliqueur en mode bah, dès qu'il y a quelque chose, hop, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche. Voilà. Ah, c'est en fait, ce jeu est un remake de Cookie Clicker, tu vois. Comment user ta souris prématurément? J'ai un front qui est toujours pas. Voilà. Comment user ta souris et ta patience? Oh là là, alors là, on est au moins. 4 mai, 4 mai, 4 mai, 4 mai. Ouais, le 4 mai s'est passé depuis 5 jours, les gars. toujours. Hein. Ouais, 4 mai. Ah, ils ont tous été déplacés, hein, c'est bien. Paul, là. 4 mai, 4 mai. 5 mai. Oh, attention, on arrive au 6 mai. Oh, lolo, attention. Ouais, ça y est. Ah. Attention, 11 mai, 11 mai, 11 mai, 11 mai, ouais, encore le 11 mai, encore le 11 mai. C'est passé des trucs le 11 mai, hein. Ah, c'est marrant, c'est dommage parce qu'on est déjà le 19 mai. Hein. Ta-da-da-da-da. Ok, l'Angleterre devrait bientôt abandonner. On va les annexer. Voilà. Seulement capitaliste a pu. Et normalement, ils vont tous se barrer sur un des fronts. Ah, le front ottoman? Ouais, allez, tout le monde au front ottoman, les gars. C'est la fête. Bon, allez, on va laisser passer tout ça là. J'ai besoin de faire un débarquement sur la capitale ottomane. Vu qu'ils veulent pas abandonner. Plutôt en faire en Scandinavie là. Ouais, on va plutôt le faire chez les Scandinaves là. En plus, si je peux faire un double débarquement. Ouais. J'envoie qui, Maurice ou Camille? Allez, Maurice. Allez, Maurice. Vas-y, Maurice. 1,8 million de PIB. Et je fais rien, c'est fou ça. Ah, ouais, tu peux arriver facilement à du 3 ou voire même du 5 milliards, je pense, en PIB. Si vraiment tu te développes comme il faut, parce que là, j'ai pas grand-chose en construction, etc. Si tu joues bien, ouais. Ok, là il arrive quand? 17 jours, bon. Ils veulent pas. Ouais, voilà, là ils veulent. La Scandinavie, l'Empire Ottoman, il y a qui d'autre? Ah non, il n'y a que la Scandinavie, très bien. Bah écoute, la Scandinavie. On est bientôt là, hein, 4 jours. Caoutchouc en Cuba, ok. Ok, ils essaient d'intercepter, mais ils vont pas intercepter grand-chose. Ils vont se rendre dans Allemand quand ils vont voir que ça commence à puer. Ils vont faire, ah oh, s'il vous plaît, on peut rater. On aura déjà pris l'Egypte, ça c'est cool. C'est pas magnifique tout ça. Faible accès au marché, Franche-Comté. Oh, j'ai mal fait mon calcul, moi encore. Voilà. On a pas de pétrole là? Si, il me semble qu'il y avait un peu de pétrole quelque part. Ici, voilà. C'est ça qu'on aime. C'est vrai que j'ai oublié, on va incorporer les états. Ouh la vache, il y en a un paquet là. Même pas sûr d'avoir assez de bureaucratie en soi. Ouh là non, j'en aurais pas assez. Tac, tac, tac. Il manque les îles Canaries et j'en ai vu un autre. La Crète. Au niveau de l'île de France, on va refaire des bâtiments administratifs, purée. On va refaire 50, allez. C'est peut-être un peu gourmand, mais c'est pas grave. Au niveau du papier, on a ce qu'il faut. C'est un peu cher. Allez, on va en faire 10 du niveau d'usine. Ici, ça donne quoi? Un bon petit débarquement. Oui, allez, un peu vite. Oui, ils sont où, eux?
partis sur un front. Ah, ils sont tous partis là-bas. Ils sont tous partis là-bas. Mais pourquoi ça se fait? C'est vraiment... Il y a les Indes occidentales scandinaves? Mais non. Ah bah mince. Je savais pas. Colombie-Britannique, m'intéresse pas. Bon bah là ça avance. Hein. En même temps. Je sais pas quel est le ratio, mais... 1 pour 380 ou 360. Ça va, c'est tranquille. Ok, on a pris Stockholm. C'est cool. Ouais, ils ont plus les... ils ont plus les... Les capitales des autres pays, ok, d'accord. Non plus, ni Copenhague, ni, ni Christiana, je crois. Les mecs, vous... Quoi? J'ai pris une branlée à ce point-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je prenne une branlée comme ça, quand même? Non, c'est pas une... Non, là, c'est une escorte que je veux faire. Je sais pas comment j'ai pu prendre une branlée comme ça, là. 63 contre 92. Bah. 25 en question de mauvaise... Ah oui, non, d'accord. Oui, ouais, c'est... Si j'ai un moins 25% sur toutes mes stats, là j'ai bouffé un moins 50 en attaque. Ça picote un peu, quoi. Ok, là on va être sur de la défense. Normalement ça devrait passer. Hein. Ouais. Bon, effectivement, ça va passer tranquillement là. Ouais, c'est bien, on va lui faire pas mal de pertes là. Il aura un peu du mal à se remettre. C'est pas ici, c'est en défense en profondeur. Tu m'étonnes. Bon, ils arrivent bientôt les renforts. De toute façon, Stockholm va. Stockholm est en prise, ils vont abandonner rapidement. On avait dit ensuite ce sera le Portugal. Ouais, on ira sur. Sur le Portugal, en plus on a, les, on a l'accès direct grâce à l'Andalousie, l'Espagne et la Galice. C'est magnifique. En Java, c'est pas chez moi, dommage. Non. On va pas licencier, rien à foutre. C'est pas le moment. Clairement pas le moment. Qu'est-ce qui s'est passé encore là? 50 contre 40. Comment ça se fait que je perds en 50 contre 40 là sur le début? Un d'attaque? Quoi? Hein? J'ai dû loucher. J'ai dû loucher. Je m'en fous. Ok, bon bah là, 17 contre 66. Bon bah là, je comprends la défaite. Hein, c'est pas. Je sais pas d'où est-ce qu'ils les sortent les 17 par contre. Hein. Je sais même pas si j'ai. C'est lui là qui a attaqué, non? Qui c'est qui a attaqué? Qui en a foutu le 17? Qui c'est qui est con à ce point là? Oh bah... Adrien Berger, t'es vraiment con. Je vais peut-être faire un licenciement de masse là parce que les généraux à qui. Enfin, des généraux avec un QI inférieur à 60, merci, madame, merci quoi. Purée. Pourtant, c'est des forcenés hein, sur le terrain là. C'est des vrais forcenés. Hein. N'importe quoi. Et encore, il y a une bévue en face. Putain, j'imagine pas. C'est quoi, Adrien? Adrien, tu es QG Nord France, bah Adrien. Hop, dès que c'est fini, on va te mettre à la retraite. Comme ça, tu vas crever. Et on passera à quelqu'un d'autre. Non, mais ce... Voilà, c'est... Ça, c'est bien, ça leur fera réfléchir. Cap Nord. Les mines sont épuisées, ok. Ça veut dire qu'on va pouvoir refaire, voilà. Écoute, un général qui n'a pas d'avenir est un général qui ne sert à rien. Je sais pas quel âge il a, ouais, 53 ans, allez, t'auras bien vécu. Hein.
mosquito, on s'en fout. Allez. Ah, la pause qui veut pas partir. Ok, là ils sont zéro. Ok, ça va. Adrien, voilà, mettre à la retraite. Chut. Adrien, machin, normalement. Attends, je l'ai mis à la retraite, il est pas mort, c'est quoi ce bazar? C'est une blague? Depuis quand les mecs ils survivent? Ambitieux. Non, romantique, diplomate, planificateur. Allez, on va mettre Lazare. Ah, j'ai deux Lazare. Hop là, on a les 75. Il va. Quel est le prochain qui veut perdre? Et c'est fou, l'autre il est pas mort. C'est simple, hein. Une défaite. Voilà, Pierre Hamelin. Est-ce que t'as compris ce qu'il fallait faire? J'ai bien l'impression. J'ai l'impression qu'ils ont commencé à comprendre. Oui, parce qu'au niveau ravitaillement en plus, c'est vraiment pas mal. Bon, lui il est en combat, c'est normal qu'il ait un petit moral. Tu vois, Pierre, t'as tout compris. Et les ruraux, la prochaine fois, vous y réfléchirez à deux fois avant de me faire chier. Voilà. Vous réfléchirez à deux fois avant d'ouvrir un front. Parce que bon, là, ça s'éternise, et c'est un peu chiant. Oh, mais con, ok. Bon, en attendant. Hop là. Hop là. Ah, ils avaient du naval, ok. Porte-avions, sous-marin, tactique, port industriel, les voies ferrées, c'est électrique. Priorité aux frais dirigés par le gouvernement. Artillerie de siège. Reconnaissance aérienne. Spécialiste en armes chimiques. Hôpitaux de campagne. Voilà. Un lorestan, c'est en perse. Ça m'intéresse pas. Ok, suivant. Donc qui c'est qui va te virer? Philippe, tu vas être viré à 52 ans, t'auras bien vécu, allez hop. J'ai pas quitté toi, t'es force armée en plus. En Oman. Ok. Surtout Philippe, je crois que... On va voir, t'as quoi comme ça? Exploiteur, expert en demande d'approvisionnement en plus, hein. C'est dommage. Tu vas nous quitter. Tu vas nous quitter très précipitamment, c'est ballot. Hein. Voilà. Ouais, ça va être simple. Surtout que t'as perdu plus d'hommes en plus. Si tu notes. Hop Philippe, putain, mets à la retraite. Ciao. Reste à la vista, on se reverra pas. Ok. Une chose de faite et qu'elle est bonne. Comment ça se fait que... Un peu d'aperçu. Le gouvernementaux, ouais. Ok, un peu plus de salaire, ouais. Ok. Bon, on est un peu dans le négatif, mais ça va, on est en... Putain. 646 millions de réserves. Fonds d'investissement, 1,7 milliard. Ah ouais. Ok. Non, ça va. Bon, on a pris du retard. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'épisode là aujourd'hui. Et on enchaînera sur le Portugal dès le prochain. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi. J'espère qu'il vous aura plu. Oui, bah, je vous propose de me retrouver simplement pour le prochain épisode très très bientôt. Allez, c'était Thiob. Ciao.